Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de mes projets 2019. Et oui, ça fait quand même déjà 2 mois que nous avons commencé l'année, mais je me réveille seulement maintenant. Normal. Rien n'est étonnant, mais j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Donc je vais vous parler des projets que j'envisage de faire cette année en espérant pouvoir les faire parce que l'année dernière j'avais dit pas mal de projets et au final j'ai pas fait grand chose. Du coup, on va voir ce qui est possible de faire cette année. C'est parti! Donc tout d'abord, ça va être une très grande rénovation que nous avons envisagé de faire avec mon papa. Nous avons décidé de ragrandir le box du bas. Oui, ça fait même pas 3-4 mois que nous avons déjà rénové le box du bas, mais nous avons envisagé encore des choses beaucoup plus grandes. Voilà, moi je suis jamais satisfaite de ce que j'ai. Non, franchement, on avait fait un superbe boulot. Bon, mon papa a fait un superbe boulot. Mais je vois encore les choses beaucoup plus grandes pour le confort de mes poneys. Nous allons ragrandir le box en refaisant la même taille du box actuel. On le met juste à côté. Et nous allons couper le mur pour que ce soit un immense box. Donc sur le coup, c'était super qu'on a eu l'idée là. Moi, j'étais super contente. Mais moi, j'ai vu encore les choses beaucoup plus grand. Voilà, je suis jamais contente. J'ai décidé de faire 3 box à l'intérieur pour que les loulous aient chacun leur box pour l'hiver 2019. Car cette année encore, ça a été catastrophique au niveau des terrains et les loulous avaient H24 les pattes dans la boue. Car malheureusement, je ne pouvais pas les enfermer à 3 le soir dans le box parce qu'il n'était pas assez grand du coup. Donc cette année, j'ai décidé qu'on fabrique 3 box et du coup les loulous ne seraient pas non plus enfermés complètement, ce serait seulement le soir et ils pourront quand même se voir à l'intérieur car j'ai décidé qu'on fasse des petits à l'intérieur, ce soit juste des petits murets, des petits murs de même pas 1 mètre pour qu'ils se séparent chaque box mais que les loulous puissent toujours se voir et ne soient pas entièrement seuls le soir. Et pour le coup, bah, il faut qu'on refabrique le box à côté, qu'on rebétonne tout. Tout l'avant, on va continuer la sorte de petite terrasse jusqu'au fond. Et faire aussi le toit. Donc c'est un immense projet. C'est un projet qui va coûter beaucoup de sous. Mais bon, comme je dis, c'est pour le confort de mes poneys. Donc rien, voilà. Pour moi, c'est le plus important. Et si je peux leur donner un confort supplémentaire pour 2019, et bah, ils auront leur confort supplémentaire. Au niveau des loulous, au niveau du travail, j'ai comme projet de bouger enfin mon popotin à travailler mes loulous. Parce que encore cette l'année dernière, je n'ai strictement rien fait. Et je crois que là maintenant, ayant 3 poneys, bah, ça devient urgent de faire leur éducation. Malgré qu'ils sont éduqués, mais commencer le travail vraiment sérieux. Mais je ne pense pas refaire comme j'avais prévu l'année dernière. Je pense vraiment m'orienter ou me fixer un travail ou une discipline pour chaque loulou. Pas leur faire la totalité comme je voulais faire comme pour Gossip où je voulais qu'elle fasse toutes les disciplines. Je ne sais pas, mais en tout cas cette année il n'y aura pas toutes les disciplines qui seront mises en route. Mais en ce qui concerne surtout Bibi, je pense plus que je vais rester seulement sur le saut en liberté et sur le spectacle et rien d'autre. Tout ce qui est attelage et tout, je ne pense pas que ça va lui plaire et même moi j'ai pas envie de avoir à faire 3 débourrages à l'attelage. En tout cas pas cette année, donc Bibi je me concentre juste sur le saut et du coup le spectacle. En ce qui concerne Gossip, nous allons commencer tout ce qui est débourrage parce que la louloute arrive sur ses 3 ans donc on va commencer le travail sérieux. Je l'ai laissée tranquille pour qu'elle fasse sa petite vie de poulain. Maintenant la cocotte commence à venir grande, du coup on va faire vraiment son éducation.
Donc là, ce sera vraiment les bases cette année, à vraiment à savoir le respect, la marche en main, la faire tourner en longe, parce que la louloute ne sait toujours pas tourner en longe. Elle, je ne lui ai jamais appris, elle n'a jamais appris, elle l'avait jamais appris avant, parce que quand je l'ai eu, elle avait 8 mois, donc c'est pas 8 mois qu'on apprend quelque chose à longer un poulain. Pourquoi pas commencer tranquillement le débourrage à l'attelage, donc juste savoir tirer, mais ça vraiment, je sais même pas si ça va encore se faire cette année, mais vraiment on va commencer les choses sérieuses avec la louloute. Et en ce qui me concerne Golden, et bah Golden, avant de pouvoir envisager quoi que ce soit, je vais déjà devoir la manipuler, parce que la louloute, j'ai pas fait ce qu'il fallait en temps et en heure. L'été dernier, j'étais allée la voir, je venais voir mes loulous et tout, je la caressais, mais il n'y avait pas un travail précis que je faisais avec elle. Et je pense que lorsqu'on va arriver au niveau du printemps, je vais vraiment me concentrer beaucoup sur la désensibilisation de Golden, afin qu'elle se laisse maintenant faire, parce que encore maintenant, quand je vais la voir, elle fuit, elle aime pas, elle aime pas l'être humain. Bon, après, quand j'arrive à la caresser et que je lui fais les gratouilles dans l'encolure, c'est pas la dernière à venir les réclamer juste après quand j'arrête. Mais voilà, on va vraiment commencer le travail, vraiment là il faut que je la manipule, faut qu'elle ait confiance en moi, parce que je vois qu'elle a pas la totale confiance et ça me frustre un peu. Mais vraiment, on a beaucoup de travail sur ça, je pense, avant de commencer quoi que ce soit. Je crois même que ce sera vraiment vers fin de l'été, ou voire même l'année prochaine, où on va commencer vraiment le gros travail sérieux. Mais Golden va aussi sur ses 3 ans, donc il faudrait, voilà, c'est pour ça que on va commencer ça tranquillement. Ils sont encore jeunes, hein, Gossip et Golden sont toutes jeunes encore, donc il y a encore le temps. Mais pour Golden, il faut aller beaucoup plus doucement, quoi. C'est pas du tout le même caractère que Gossip, elle, c'est ça a été un pot de colle dès le début, malgré qu'il y a eu des petites difficultés au tout début quand elle était arrivée. Mais maintenant, elle, c'est la princesse qui bouge pas, qui aime tout le monde, donc c'est vraiment super. Projet que j'ai décidé de faire avec les loulous, et c'est ce que j'aimerais bien faire, c'est faire une randonnée d'une journée déjà avec les 3 loulous, trouver des amis qui viennent avec moi pour que chacun ait un poney, parce que moi à 3 je ne peux pas je peux pas gérer 3 poneys. Mais vraiment faire une balade, parce qu'on a plein de beaux endroits autour de chez moi où il y a des lacs, il y a des forêts et tout, sauf que j'ai jamais pris le temps et j'ai jamais trouvé personne pour venir m'accompagner. Et ça, c'est ce que j'aimerais faire au moins une journée, partir le matin, pique-niquer le midi et refaire la balade l'après-midi pour rentrer le soir. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien, au moins ça me ferait du sport, ça me ferait du bien, ça ferait du bien au poney, et ce serait super sympa. Je pense que plus que ça, ça se fera vers l'été, mais c'est vraiment... je voulais déjà le faire l'année dernière, je ne l'ai pas fait, et j'aimerais bien que ça se fasse cette année. Autre projet que j'aimerais bien faire avec les loulous, c'est aussi pouvoir aller près d'un lac pour qu'on fasse notre première baignade. Les loulous n'ont jamais vu l'eau de leur vie, à part dans la petite piscine, mais n'ont jamais vu un plus vaste espace d'eau. Et j'aimerais vraiment voir comment ils réagissent avec ça. J'aimerais bien pouvoir même prendre des photos avec eux dans l'eau. Ça, c'est aussi un projet que j'aimerais faire cette année. Du coup, je pense que ça pourra se faire en même temps que la randonnée, vu que si on fait une randonnée, ce sera près des coins d'eau. Donc, par conséquent, on pourra tester à aller dans l'eau. Ah oui, bah du coup, ça m'a donné une autre idée de projet. Mais ça, ça fait longtemps. Ça fait déjà depuis l'année dernière que je voulais le faire, sauf que je n'ai pas eu encore le temps de le faire. J'aimerais pouvoir faire mon tout premier shooting photo avec les 3 loulous, mais vraiment fait par un photographe professionnel, vraiment basé sur ça. Je vois les copines youtubeuses qui ont pu avoir l'occasion d'avoir un photographe équin, et les photos sont vraiment magnifiques, mais moi je n'ai toujours pas eu mes belles photos. Quoique ça va, avec mon appareil photo, j'arrive toujours à faire des très belles photos. Quand je demande à ma famille de me prendre en photo, ils arrivent toujours à me faire de très belles photos, mais ça... forcément, ça n'a rien à voir avec un photographe professionnel. Et j'aimerais vraiment, avec j'imagine même moi avec une longue robe blanche et mes poneys tout beaux, tout majestueux, faire une magnifique photo. Ça, c'est vraiment ce que je m'imagine, en fait, et je rêve de faire ça depuis l'année dernière, sauf que ça coûte de l'argent et du coup j'ai pas forcément eu l'occasion et les finances pour le faire. Mais j'aimerais, pourquoi pas cette année, envisager avec les 3 loulous de faire mon tout premier shooting photo. Et maintenant, nous allons parler d'un peu de mon avenir YouTube, de ce que j'envisage de faire, des projets que j'aimerais faire.
Donc j'ai voulu parler ça en dernier parce que je sais pas si en tout début ça aurait été bien vu ou pas. Mais il faut savoir que malheureusement, bah, niveau avenir YouTube, c'est assez compliqué de vous trouver des vidéos qui vous intéressent, car malheureusement les vidéos qui vous intéressent, bah il y a quand même une certaine question d'argent dedans. Vous êtes beaucoup à aimer les hauls, à vouloir des jeux concours, à vouloir que même que j'aime vous rencontrer et tout, mais ça c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Or moi malheureusement je ne suis qu'une étudiante et je ne travaille pas. Du coup j'ai une simple bourse, mais ma bourse est vraiment minable, je ne gagne presque rien. Et mon argent de poche et l'argent que je peux me faire à droite à gauche cher à l'entretien de mes poneys. J'arrive normalement à entretenir mes poneys, mais il n'y a rien d'à côté, il n'y a pas des à côté en fait. Je me fais pas plaisir, je peux pas énormément leur faire plaisir. Et vous non plus, du coup il y a plein de vidéos que je ne peux pas faire. Je vois des youtubeuses qui font ces vidéos, mais moi je ne peux pas me le permettre car malheureusement je n'ai pas d'argent. Et c'est pour cela que j'ai envie de vous parler d'un petit truc. Je sais que c'est mal vu. J'ai créé il y a quand même pas mal de temps un compte Utip. Le compte Utip, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un site où vous pouvez regarder des publicités gratuitement et faire gagner quelques centimes, quelques euros aux youtubeurs que vous voulez soutenir. Et du coup moi je l'ai créé, mais je sais pas trop vous en parler parce que je savais que c'était un peu mal vu de faire des dons. Mais vu là c'est des dons gratuits, ça n'a strictement rien à voir. On vous engage à strictement rien, vous ne payez rien, vous regardez simplement des publicités. Léa de la chaîne Sauspo avait déjà parlé de ce compte Utip l'été dernier et ça avait plutôt très bien marché. J'osais pas trop le faire, mais elle m'avait quand même pas mal encouragée à le faire parce que ça aide beaucoup. Du coup, en barre d'infos, vous allez pouvoir avoir le lien de mon compte Utip ou si vous le souhaitez, venir me soutenir, ça me fera toujours énormément plaisir. Et tout l'argent qui sera collecté bah, sera réservé exclusivement pour YouTube, pour pouvoir faire des nouvelles vidéos, pour pouvoir m'acheter du matériel un peu plus compétent, car malheureusement bah moi voilà, comme je vous ai dit, je ne travaille pas, donc je n'ai pas des revenus, donc je ne peux pas me permettre de faire des choses, je ne peux pas me permettre de me déplacer comme je veux. Donc voilà, si vous souhaitez pouvoir avoir plus de vidéos, avoir plus de jeux concours, et bien venez m'aider, venez me soutenir avec mon compte YouTube. Donc voilà, j'ai terminé de vous parler avec mes projets 2019 en espérant qu'ils vont se réaliser. J'espère que du coup ça vous a plu. Et sinon, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut !